Où est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oula, bonjour hein, d'abord. Je viens en ami, j'habite à un pays voisin du vôtre et apparemment l'énorme embouteillage qui s'est créé dans mon pays aurait pour origine le vôtre de pays. Je me trompe? T'as rien à foutre sur le territoire belge, surtout en uniforme. Bon, ben, pour faire court, mon chef a l'intention d'appeler le tien si tu continues à foutre le brin. Tu me menaces? Je te menace pas, je te préviens. Dégage. Oh, Ruben Van Voorn, merde. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de se parler gentiment juste une fois? Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris? Mais j'ai pas fait l'accent belge. Alors? Mais une fois. Mais je te jure que je faisais pas l'accent belge. Non, je fais l'accent belge une fois. Oui, ça, je sais, frère. Mais avant, je ne faisais pas l'accent belge nord d'une frette. Vous, les camemberts, vous vous sentez supérieur, hein? Mais on est supérieur. Mais je plaisante, Ruben, détends-toi. C'est... Il vaut mieux que j'y aille, hein? Ouais. Rentre dans ton pays. Qu'est-ce qu'il voulait? Quand je pense que cette douane va devenir une passoire bleu-blanc-bec, ça me dégoûte. Moi, c'est pas tellement les Français qui m'inquiètent. C'est les trafiquants de drogue. Ouais, ben, c'est souvent les mêmes.